السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله. ناطر قراءة ارشدك. تمام، اكسلنس كويس، أخبارك شنو؟ ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. الناس بزوري ده كلية جاي طب. يرجوك، انا فكيت لهم باش دول جي. اوكي، ادي ادي ما شاء الله. نبدأ ديريكت ولا كيف؟ نقوله ديريكت يا صغير. أخرنا الشيء ده لا مجابون ريتارد لا سكن يجي ايه داكو اكسلنس مبارك سوغار. اول كده نخليك ناس ده نكون يسموه ايكو، فما نعرف ايه اسمه الكل، ما جاي اسمه جاي اسمه انا يكو. جاي ايكو هي دونك نرجم شيء كان ورو جاي اسمه ده ينفو دراكي سكيلة كتاتة الاكيتير وده شاء الله ما جاي اسمه كما خلاص. Et donc on peut commencer en tout cas en attendant qu'on m'en réagisse. Donc, Monsieur Moubarak Sogar, tu es architecte, on a ce que tu dis, il y a un président qui a été créé, il y a un élément qui a été créé, il y a un élément qui a été créé, et on a peut-être quelques années récemment, il faut donc nous faire l'écouter, avant de te présenter, et après, on va faire le projet, Inch'Allah. شكرا شكرا مصطفى كوج مصطفى. Moi je m'appelle Moubarak Sogar. La plupart des gens me connaissent déjà. Je suis architecte. Et voilà, je suis aussi président de l'association Africa Green Connected qui œuvre dans le domaine de l'environnement et dans la globalité, dans le développement durable. Voilà, et merci quand même de m'avoir invité sur ce live afin de décortiquer aussi un sujet très important concernant l'architecture. Et je vous remercie. Donc, shukran, shukran kathir. Inti kunt présent, je n'ai pas l'air de m'en occuper ici. Bien qu'il y ait un grand club. Vous étiez notre président chez Tunisie, pour vous, à l'architecte, au gars, il y a même, je pense, actuellement. Donc, je vais vous présenter un sujet qui est de l'architecture traditionnelle et contemporaine au Tchad. Je vais vous présenter brièvement ce qui est au Tchad, chez nous, au Tchad, au Tchad, et puis, madame, qui est spécialiste du domaine là. D'abord, le thème que nous avons choisi, c'est l'architecture traditionnelle et contemporaine au Tchad. Quel type d'architecture pour le Tchad de demain? Donc, si nous avons choisi ce thème, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un réel problème. Et voilà, avant de commencer avec les études en architecture, je ne savais pas grand chose sur l'architecture et voilà, je ne savais pas qu'un jour j'allais faire aussi. Moi, j'allais quand même choisir ces filières-là. Donc, voilà, avant d'être architecte, bon, nous ne connaissons pas vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire l'architecture du Tchad en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est après avoir commencé avec l'architecture en première année, arrivé en deuxième année d'abord, nous avons acquis. Quelques connaissances et voilà, nous avons comparé aussi notre architecture à la structure de notre pays d'accueil qui est la Tunisie. Et c'est ce qui nous a poussé vraiment à chercher davantage, à creuser vraiment au fond pour savoir c'est quoi la structure du Tchad. Parce que c'est vrai, on a qu'à voir la fin de Yamena, c'est ça qui est très intéressant. La structure en Yamena, là, ma dina malumat ketir kelen ar force cultural ce qui se passe vraiment fiyatura. Donc chanda fiyatda nous avons une palette assez diversifiée d'architecture l'architecture donc du nord au sud. Donc pour entrer dans les vifs du sujet là, il faut que Michel dire c'est divisé en trois parties. Nous avons dans un premier temps l'architecture traditionnelle, l'architecture traditionnelle là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et en même temps du centre aussi. On a dû faire l'architecture à l'Nourou contemporaine, à la Guinée, à Sagan, à Sofingamena, à Dola. En ce qui concerne l'architecture contemporaine, qui est en général, quand Fingamena, quand Hilal, à la Karingoul. En dernier lieu, comme on a dû faire, quelle solution Madame Tadjanafi, comment on appelle, Tadjanafi, les problèmes et tout,
Adjofi, un dernier parti, fi solution. Quelle solution nous allons apporter pour une architecture, une tabou architecture, ouais, parce que je vois. Donc voilà. Je pense que Nahalik Tadj, tu vas nous continuer. انت بس الانفيتيك وانت بس الهدي عندي اللي كان اسال سؤال بس خلاص ما عندنا مشكلة. دونك افان كان يمشي قدامك سؤال ولا كيف؟ بقول اليوم هذا ما عندي سؤال جست الناس اللي جاي اللي يصير عندنا بس كان عندهم سؤال لا تقدروا تكتبوا لنا وفي رقم يصير نقدر نتراجر عليك بالانفيتيك pas de souci. ابو لا فاول ممكن نرجو كريستيانو تبدأ ولا تو نقول نجي؟ نو تقدر تجي خلاص تبدأ اوكي. بالاركتكتشر حقك انت ان شاء الله اها ارسيتي راجل على التراديشنال. لا عندنا سادير كو في تشاد تشادي لي تشاد ديفيزي ان تروا غران بارتي. دونك عندنا لا زون ديزيرتيك, لا زون ساهيليان, اي بي لا زون سودانيان. Donc, si l'architecture agraire c'est un peu diversifié, ou l'architecture en Tchad, elle est constituée d'une palette assez diversifiée de constructions et qui suivent en quelque sorte Michel, les styles ouais, éclectiques. Donc, voilà, souvent, c'est-à-dire on ne se contente même pas de satisfaire seulement le client, mais c'est-à-dire on veut tout simplement s'abriter quoi, en quelque sorte. Tu vois. Ou puis, côté traditionnel, là, Michel, du côté. Il y a deux types de par exemple, le fil côté architecture traditionnelle, il y a deux types d'habitats donc qui sont adaptés au mode de vie des peuples qui le construisent. C'est-à-dire, il y a un habitat sédentaire, il y a un habitat nomade. Donc, habitat nomade sédentaire, c'est constitué des cases, par exemple, en terre d'eau, ou disposées Michel, en village. Donc, forme à gamma et tout, arrangement à là, ça varie en fonction aussi des ethnies d'eau. Donc, Michel, au côté, il y a une architecture nomade, comme en Indien, il y a tout quoi. C'est-à-dire, c'est une architecture qui est éphémère, vite démontable d'eau, ou avec des matériaux qu'on peut trouver, Michel, sur place en même temps. Matériaux, ce sont généralement des tentes d'eau, ou des nattes d'eau, des fibres tressées d'eau, quoi. Donc, voilà, ils sont généralement regroupés en campement, Michel. Moustapha, toi, tu es bien placé. Comme tu dis, Amine, attire à ma gâte, tu vas vraiment de l'eau. Hein? T'as pas à dire quoi. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, Michel Côté, au nord, nous avons une architecture aussi désertique en terre stabilisée ou des toitures à galagère. Côté Asa, en nord, il y a beaucoup plus d'architecture, il y a tout quoi, des cases d'eau, plutôt des tentes d'eau. Il y a une des structures qui est à Kéviso, à Tava, il y a un palmier d'eau là, ou après, comme Natal Adi, il y a un Birchal Adi, il y a un Zahavda. Bida, ils se forment beaucoup plus, il y a tout quoi. Pourquoi? Parce que c'est dû au climat. Malama, côté nord, il y a en même temps, côté sud, parce que côté nord, Nagda, Rik et Tirgat, ou à ça, le but, c'est que le but, c'est que le but, c'est c'est à l'âme d'avance que ce chocolat est vite démontable car il y a que le chulou et tout ce qui est du mal l'eau voyons je vois qui t'aime quoi donc et bah quand tu vas y placer je vous le fais que vous l'avez donc au côté au niveau du centre nous avons une plus grande diversité grâce aux matériaux qui sont utilisés dans le centre monsieur le côté anawadai abéchedol et tout ça là nous avons une architecture éphémère aussi pour être sur toute la bande architecture en de briques matériaux qui utilisés dans la saison des briques cuites briques à gagner la marde là ou côté zone nagda nous savons qu'il y a les arabes choix il y a aussi il y a toujours les kotoko et autres donc ils utilisent en quelque sorte les mêmes types d'architecture au côté sud au niveau du sud avec un climat aussi plus humide nous avons plusieurs types d'architecture coulou better cuite quoi. Donc, mais occupation spatiale, en nombre de le fait qu'il occupe l'espace, hein, c'est ça qui diffère quoi, selon la zone. Donc, par exemple, au sud, il y a le Gouan occidental, il y a Tangile, Benak, tout ça. C'est les mêmes types d'architecture, même matériaux de bagage utilisés, mais il y a tout spatial en nombre de. Le fait qu'il est regroupé, Michel le Koto habite en nombre de là. Par exemple, Chikchik, quoi, ça varie en fonction des de zones. De donc, parce que le climat en Amdaouma, c'est humide, où ils sont obligés d'utiliser certains matériaux, là, quoi. Les mêmes matériaux et tout ça. Voilà.
Puis côté architecture sédentaire, il y a l'architecture Kotoko. Je ne sais pas si vous avez visité Gewi. Donc, puis Gewi, okay. Par exemple, à Gewi, nous avons une architecture, voilà, ce sont des descendants de Sao. Ouais, ils vivent de la pêche, vraiment de l'Occitan. Donc, la plupart sont des musulmans, croyants en un groupe traditionnel là, subsiste, notamment c'est lié aux esprits de l'eau et tout ça. Voilà. Donc, c'est un angle de système. Je ne sais pas beaucoup plus du tout. Bon, quand marche, c'est un angle de système. Comme je disais, l'organisation spatiale en angle de tout ça, ça diffère de tout. Au moins, il y a des terres cuites, il y a des terres, il y a des terres, des potopotora, ou par niveau. Il y a une Michel R plus 1, quelque quoi. Synthèse. R plus 1. Voilà. D'accord. Donc, c'est R plus 1. Il faut que tu aies le rujal. Il faut que tu aies le rujal. Il faut que tu aies le rujal. Il faut que tu aies le titre. Il faut que tu aies le rujal. Il faut que tu aies le rujal. C'est ça leur système. En même temps, on doit tenir compte du climat. Le climat est un peu. Donc, Marada, il faut que tu aies le rujal. Habita koto kan deketa fi google tishifa inda nugura dol bakana dol et tout ça ou il dit c'est air en même temps ça veut dire côté bioclimatique de vraiment ça joue un grand rôle watara barra tishifa à 40 degrés chez nous comme degré là quand dakhal dakhal là grâce aux matériaux al tine gan utiliser dol là ou bien système ana orientation en même temps système ana air ya khalu nugura dol air dol là ça fait que dakhal là yaga barit. Donc, on se retrouve avec une température moins et tout quoi. D'accord. Ou voilà. Au niveau de ça habite en côté au cours de comme on était dans un résumé, il y a deux cours en homme, cours en femme. Globalement, là, tu vas trouver une entrée en chicane. L'entrée en chicane, c'est-à-dire entrée, t'as donc le targam, j'ai bilo. C'est ce qu'on appelle bilo. T'as donc Talga direct bedo. Vous êtes dans Talga espace ouais Michel Musada. Vous êtes dans un autre espace Talga cours que virke quoi. Donc Zeda ou voilà. Fille côté habitat Kotokoda, chaque femme a sa cuisine. Aïe, mara linda cuisine là ou toilette et sa chambre annexe. Donc c'est un peu ça et puis au niveau de l'étage là, ça appartient seulement à l'homme. C'est l'espace qui est considéré le meilleur endroit de la maison et qui abrite aussi son salon, accès à Kakulu, ça fait à partir d'un vestibule, et c'est un peu ça. Au côté Kotokoda, une spécificité. La spécificité en Amda, où man, Albed Gay décoré. Une art en Amza, t'as qui gagne quoi. Donc, il décore ça, à une basgarine, il se faut comme Michel. Système en a, il y a tout doul, il décoré, il y a tout doul, là, cas en Amdol, il y a tout doul, il y a ou est-ce qu'il en a vraiment, est-ce qu'il a dit le marouette? Ils peuvent vraiment, elles peuvent, ces femmes, là, ce sont des femmes qui font en plus. Donc ces femmes peuvent vraiment mettre ça en valeur. Ou des bâtiments là, ça fait que beaucoup plus d'activités en amal, ziara kaisouda, à part la pêche et puis l'agriculture, l'élevage d'eau là. Ou principale activité en amal, à part d'eau là, c'est la poterie. Donc à cette douane, il y a le gars, tu vois, il y a le coup, le côté de parce qu'il y a beaucoup plus fait que. Donc, excusez-moi, donc, Michel Kéouman a utilisé beaucoup plus Aranamda, les souhaits. Ou il doit la valorisation. Par exemple, là, à Tunis, quand Michel Dantima, toi qui es bien placé à Nabeul et tout ça, il y a des centres d'artisanat pour ces femmes de l'homme, il a valorisé Ziada, ou il a modernisé. Or, il donc, c'est ça, ou ça mérite d'être, Michel Kéouman, retranscrit, fait côté au niveau, par exemple, fait bâtiment, fait façade d'eau et tout ça. Là, c'est beaucoup plus dans les solutions, ou disons il y a l'architecture Mosgoum de là par exemple chez les Mundang comme chez Marik Ali Bongor de là Talga on a tout le comment on appelle fi comment on appelle ça fi Bongor comme chez Talga Kaz Wadin Jainke ou Inda est tout beaucoup plus quoi je pense que quand on montre toutes les images là ça serait beaucoup plus Oui. intéressant on dit. Donc voilà, ce sont ces cases d'eau là. Voilà, vous voyez un peu. Donc, case d'Aral d'eau là, pourquoi la hauteur ici, Michelin Douminda, ça date, par exemple, l'hauteur en là, c'est très important.
Donc, architecture a beaucoup plus bioclimatique. C'est une architecture en terre, mais quand on a des portes, l'espace, c'est bien organisé. Et puis voilà, en haut ici, les lumières, il est éclairé dans là. C'est une lumière artificielle, naturelle en quelque chose, disons. Ou, en même temps, les yomurga, c'est-à-dire air chaud, air ramayro, il refroidit le béda, ou yomurga air chaud, yomurga même nougra. Donc, c'est une de mes spécificités en Michel, là, quoi. Voilà. Là, c'est l'architecture Mosgoum. Donc, au niveau de Dao, voilà, on a côté de l'organe Ourida, où moi, je sais pas, ils décorent leur maison. C'est avec ce genre de décoration. Dafi, partout, Fichat Bakan, qui est Talga Mafi, c'est une spécificité chez les Kotoko. Donc, tu vois un peu. Donc, ils utilisent c'est-à-dire les matériaux qui sont sur place. Même si je dis vous, matériaux, ils commandent des machines, ou l'homme Bakan, tu vois, non, non, non. Donc, ils utilisent, ce sont des femmes, tu vois, oui, il y a gars utilisés. Voilà, ils sont poteries en homme d'Akoubéna, je sais pas, c'est poterie douane, d'Ourja, d'Ajada. Pour peinture en homme, c'est vraiment intéressant. Dans, c'est dans l'air court, tu vois. C'est ce que ces femmes utilisent. Nougar Dolaga joue un rôle bioclimatique. Parce que dans un bâtiment, l'air chaud, l'air frais, ça entre par les persiennes, en même temps par la porte et tout. L'air chaud, il y a un qui évacue minine, quoi. C'est ce qui fait que Bédagé est refroidi, le Michel Ké. Voilà. En même temps, je vous montre au niveau de Toura. Habita Kotoko, tu vois, c'est Fikaz en homme de Koulassa, partout, Kaz, t'aimes chez Fikaz, partout, Matal. Il est Talga en homme de système en homme d'aération, de tout ça, je t'aime. Et ça joue beaucoup plus rôle bioclimatique. Donc, c'est de ça nous allons parler. Au Barenda, il y a une solution, Kikef, une solution en interprétant comment t'as l'ancien Eldol, comment Kikef l'interpréter, le moderniser l'architecture à Guéna Fikaz, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Inch'Allah. Oulé, عشان déjà حسين قام سأل ورا اسكي لازم لازم يكون ام حسين سأل ورا اسكي نعم لازم يبقى ام بون ديزاينر وبي ان جيومتر ليس هي الشكل ده لا تجينا الشكل Absolument ليس architecte. الشكل Comment? اسكي Christian دو Agama, اتر ام dis-moi. بون Est-ce qu'il doit être un bon designer ou bien un bon géomètre pour être un architecte? Non, non, non. Pour être architecte, là, je pense que. Ah non, par exemple, on a dit que juste un exemple. J'ai fait la seconde L. Après, je suis allé en première S. Ou à la suite à terminale D. Où je savais même pas que je ferais l'architecture. Ah non, il me délai de mille avions, délai de gobel. Là, il me dit en bac, rack, comme chef d'école, une inscription à la suite à l'architecture, quoi, c'est tout. C'est-à-dire, on est très mal orienté. On sommes très mal orientés. Mais ça ne vous empêche pas de faire l'architecture, quoi. Même si. Je me dis, la première année, là, nous avons vu même des filles. Hein. Moi, je connais une Nigérienne. Elle a fait les bacs A et puis voilà, elle est venue faire l'architecture. Mashallah, elle est parmi les meilleures, quoi. Donc, c'est bien d'avoir aussi les bacs 2, bac en sciences physiques, l'architecture, quoi. Ça va, parce que ça va t'aider. Il y a des matières aussi qui sont physique du bâtiment d'eau. Il y a aussi la géométrie ou l'architecture, ça, en général, là. C'est une culture générale, quoi. C'est une culture générale. D'accord. Donc, Je te laisse continuer. OK. Voilà, au niveau de l'organisation spatiale, côté Anakaz Mousgoum, là, je vais vous montrer un peu. Côté, moi, c'est ça, la case Mousgoum. C'est beaucoup plus utilisé chez les Moundans. Fait côté Bangor et tout ça. Donc, une inspiration en Andadia, une inspiration en Andadia, une intermédiaire. Une inspiration en Andadia, une intermédiaire. À ce jour, on s'inspire toujours de quelque chose. Donc, voilà, on m'a inspiré une intermédiaire là. Ou je suis formé en intermédiaire, ou je vais me retranscrire ou comment ça va m'expliquer. Donc, au niveau de la typologie là, à sa case, tout est relié par, c'est relié par mur ou guisère, okay? Voilà l'entrée, avec entrée web. Donc, au niveau de leur organisation spatiale, Casal Amar, la case principale, la côté en habitation, c'est la case du chef. Voilà, car en tout cas, la case en habitation, on a une à la fin et tout. Ou, côté, on a une cuisine,
Oda, c'est les greniers. Greniers, d'ailleurs, voilà, les sous-bouffons, et tout, on a créé le nom de la nation, quand il faut stocker d'accord. Donc, Alda, da, le grenier principal. Le grenier principal, là, comme Michel, comme NASA, comme généralement, ils font la culture bon, du riz, tout ça. Comme c'est officiel, tout ça, là. Khalla kan sunu ris sunu kullu yeju da ma pre so récolte kan so récolte jugo stocké ine yoko tout donc minda est tiré kan da c'est les greniers secondaires donc mini na gay ngurgu jugo stocké ine mini yim jugo cuisine so kan wala asfar da kan c'est l'enclos enclos da donc il garder faut que bétail en amdore tout ça à l'intérieur voilà. Donc, je ne sais pas si je suis en train de vraiment d'aller dans le détail. Bon. Machallah, c'est vraiment super quoi. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer un peu les caractéristiques bioclimatiques en Amdoula. Au niveau de Asa Flèche Al-Ahdar, ce sont des. C'est l'air frais. L'air frais, c'est l'air frais. L'air frais, c'est l'air frais. L'air frais, c'est l'air frais. Échapper, échapper, mini c'est air chaud, toujours ça monte, air frais, là, et donc le porte. En même temps, ça dara, tout en amal dara dans la cuisine, c'est le échapper, donc, sur la lasse, il faut une spécificité en amal dara qu'on trouve uniquement chez eux. Chez les Mundangweza, c'est vraiment très important, ça joue deux rôles, rôle bioclimatique ou en même temps un rôle à galgue, je vois, agarra, yiba, lumière. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Là, c'est à l'intérieur. Donc, d'apportera. Ou d'accord, nous grafons de gai jiba gai éclairé les à tout à l'intérieur de la Hansa. Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Au niveau de l'art technique de construction, comment c'est un peu ça. Donc, si vous à ce moment, malgré ce qu'il y a dans la couleur, j'en ai retour. C'est pas pour la beauté, mais bon, il y a un rôle esthétique, c'est vrai. Lakini kutufu kwa rigirano ya gale mishle échafaudage kutufu kwa rigirano wa mamta ya konstruir mishle jusqu'à yiju ya wuro minchit étape par étape jusqu'à yiju foko D'accord. Mashallah. wa chez les Massa asafi côté à la Massa de là allez moi toujours dans la structure du sud hein. Du côté en ambassade, c'est un peu ça. Voilà, c'est une architecture avec des matériaux. Ils utilisent des matériaux comme la terre et puis la paille. Tout est sur place, quoi. Donc, dans le matériau qu'on a utilisé, d'accord, ouais, au niveau de, je crois, l'échanger, c'est juste au niveau de l'organisation spatiale, au FIFOR, donc, Hinda, Saint-Michel, bon, ils ont tendance à se regrouper dans un même et tout. Oh, voilà quoi, c'est un peu voilà c'est un peu un zigzag, c'est ce qu'on retrouve pas aussi chez les autres donc la spécificité D'accord. donc Christian, il j'avais ça. y a ça Bacan, là, ça. allez-y. Bacan, ça, gars, il est éclairé au gars, il a échappé, là. L'ami, gars, il sort de Kef. Guys, c'est doux. Comment ça va? Gars, il sort de OK. Gars, bon, gars, c'est doux, hein. D'accord. Voilà. Vas-y, continue. Ça, au niveau de dame, j'ai plein de citations. Donc, j'ai fait un peu, voilà, un peu des couleurs par-ci, par-là. Donc, chaque lourd, l'eau, la couleur amarda, couleur violet, ou couleur, disons, jaune. Chaque lourd, ça représente une famille, quoi, qui est subdivisée en 3 à 4 foyers. Donc voilà, au moins c'est des familles, ils restent côte à côte. Donc dans le mode de vie, en voilà, au niveau de leur organisation spatiale, comme on fait en plan, c'est un peu ça. Ou t'as donc un talga grenier, un grenier. Chaque femme, là, par exemple, contrairement ou chez les Mundang, Masadola, Mundang, un grenier, ouais, Usut. Lakini chez les Masada, aïe, chaque femme a tout inda grenier en propre. C'est da grenier de la première femme, grenier de l'homme, grenier de la deuxième femme. Oui, c'est ici l'entrée. Ça, c'est la case de l'homme. Dans la case, on a une. Donc, si vous voyez un peu bien, ce sont des lits qui sont un peu étalés par là.
Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un peu en coupe, une petite coupe dedans. À l'intérieur, là, il y a la colline de Grenier-Noigny. Là, c'est Grenier central. Voilà, c'est la case en quelque sorte. Ouais. C'est un peu ça. Bon, par exemple, chez les Kanembu aussi, on utilise beaucoup plus une architecture nomade aussi. Donc, on utilise beaucoup plus ça chez les Kanembu. On retrouve aussi beaucoup plus la paille. On a l'actuel de tout ça, c'est-à-dire on construit avec des charganiers. Donc, là, c'est l'habitat traditionnel en Amdol, quoi. Donc, à la fin de la saison, là, ils récupèrent tout ce qui est paille et tout ça. C'est avec ça ils essaient de faire la paille, les échauffourées. Donc, technique, là, ça, d'abord, ça, vu jardin de tout ça, dans ce coup, le gars utilisait les boucarous de l'Okolo, si vous voyez un peu. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est de la structure ancienne, ouais, mais qui est belle, du coup, attends, citoyen. D'accord. Voilà. Ouda, par exemple, c'est aussi tante Asa, et toi, tante Anna Kanem, les tentes sont en forme de demi-sphère, quoi. Donc, contrairement à tout, on porte un angle, c'est un peu ça. À l'intérieur, il y a un couteau, selon et toi, couteau structurel, non, ils n'ont pas besoin d'ingénieur. Moi, c'est un gars qui est des trucs. Moi, c'est un gars qui est un gars qui est un gars qui après, surtout des gèches à la donc, voilà. Ou, par exemple, ici, dans l'Inde, nous avons quatre types de tentes. Une gading, tente Asadol, tente Daza. Tu vois, tente Daza, ma tente, par exemple, tente Anakanimbudo, c'est un peu différent. Tente Kanimbudo, c'est une de Kulumusada. Ou une porte ouverte donc or que tant par exemple en Dazaro là il y a halu rasa bien et surtout voilà que le ciel est surtout au guide d'un halu fatigue c'est-à-dire donc c'est un peu Michel Angar qui est halu quoi au hâteau bien hâteau il y en a palmier de Michel c'est un peu ça aussi donc voilà Damara c'est un peu la même chose au Damara c'est la même chose qu'on voit un peu donc ce sont des techniques qui sont utilisées par nos ancêtres ou qui sans ingénieur et tout ça, moi, c'est à Badro, maintenant, c'est à nous de transcrire, de traduire ça de façon moderne. C'est ce que nous allons voir après, par la suite. Bon, maintenant, si vous me permettez, je dois parler aussi de l'architecture contemporaine, qu'on appelle Oui. l'architecture Asa contemporaine. D'abord, l'architecture Aguinasa si on entend par l'architecture contemporaine, c'est l'architecture voilà, de nouveau. Là, si vous voyez un peu, c'est le client qui se met à la place de l'architecte ou bien de l'ingénieur quoi pour concevoir son projet. Donc voilà, en quelque sorte, dans ma présentation, j'ai un peu énuméré voilà, tout ce qui est architecture contemporaine au Tchad. Voilà, pour être un peu plus clair, voilà, c'est l'image actuelle de la ville de Niamena. Donc nous voyons la banque BAC, l'hôtel de la ville de Niamena, la mairie, c'est la maison de la femme. C'est la présidence, voilà, le musée national, Kempinski et tout ça. Donc, tout là, c'est en quelque sorte, disons, ils ont suivi une architecture, voilà, c'est l'architecture contemporaine, l'architecture contemporaine, quoi. Donc, voilà. Il y a trois questions qui gagneraient du camarade. Ok, avant de continuer à lire, répondre à ces questions de la pour voir, quoi. D'accord. Il y a Hissène, ça a la soirée. Bon, frère, vous venez du lot après quoi. Il y Hissène. a Ibrahim, Hissène, Ibrahim, je pense, Hissène IB. Il a posé une question, en Hissène fait, question Ibrahim. Agada aura. Aura, est-ce qu'il y a un plan d'ol inspiré d'une architecture traditionnelle à Guéna, que tu as possible? La question à nouveau. Donc, nous allons chez Mnegerou, bien, tu as possible, Voilà, ça fait. ça, non, c'est bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
D'accord. Bon, Yeah, en exactly. attendant, Khalil, neurologue, en attendant, Khalil, Ishiva, quoi, profil à Givenac, puis Instagram, il peut y avoir Ishiva, quoi. Donc, j'ai publié aujourd'hui mon projet de fin d'études qui porte sur un historial de la paix au Tchad, sous thème Agara Kaman, les martyrs de l'armée nationale tchadienne. C'était pour rendre hommage aussi à l'armée nationale tchadienne, quoi. Pourquoi j'ai fait cet historial-là? Parce que historial-là, parce que l'armée nationale tchadienne a gagné tout le cachot depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Une histoire qui tire. Une histoire qui tire où ils ont participé à plusieurs événements. Où... Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser comme ça leur mémoire bafouée. Or qu'ailleurs, quand on va en guerre et tout ça, souvent on ramasse aussi les objets des autres. Monsieur Médaille en Azoula, Arme en Azoula. Ah, c'est aujourd'hui comme chez fille, par exemple, Barabara, les Dia, les Deribana, Guerrero d'Or, Dia, les Deribana, Kalaï d'Or, Sundola, Tishifa, Toyota d'Or, Léani, Char d'Or, Zaman, 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 1900, Girdor, Kulugarin. C'est-à-dire que, d'accord, si c'était évident, Nassar, l'homme de Ishuru, il valorisait, il retrouvait musée, quoi. Donc, pour retracer un peu l'histoire de l'armée. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi je me suis inspiré beaucoup plus de ça. Pourquoi ne pas proposer aussi un historial de la paix au Tchad? C'est-à-dire, pas un historial de l'armée, mais un historial de la paix, quoi. C'est-à-dire que, dans les thèmes, il y a deux aspects. Michel Kahn, si c'était un historial de l'armée, là, ça va être beaucoup plus frappant ou ça va être un peu plus violent. Tu vois un peu, donc, mais c'est un historial de Barara, c'est-à-dire, il y a un espace d'accueil, espace Nazilum, mais à l'intérieur. On trouve, c'est-à-dire, voilà, nous avons des espaces qui retracent tout un parcours. Il y a tout un parcours qui retrace l'histoire de l'armée nationale tchadienne à travers des expositions, à travers aussi des projections vidéo et autres. Donc, Khalil Shiva, donc, Fidara, on a utilisé, comment on appelle, comme l'architecture traditionnelle. Et puis, voilà, j'ai fait la fusion entre la modernité et puis les traditionnels. Donc, Fimur Aguida, Instagram, en attendant, il peut voir là-bas. Je me suis inspiré aussi de ces cases, mais j'ai modernisé ces cases. Cases de l'ANA, j'ai modernisé pour donner une autre forme. Matériel utilisé, beaucoup plus de matériel, je me suis inspiré, matériel en terre de l'ANA traditionnel. Là. En attendant, Khalil Shifa, après, on va essayer de discuter. C'est l'un aussi de mes projets phares inspirés de la structure traditionnelle. D'accord. Il nous reste 13 minutes, je sais pas comment on va gérer ça. Ok, on va aller un peu vite. D'accord. Il y a Question qui? va être. Allez-y. Question à Ibrahim Moussa Gayori, quand ça a l'air logements sociaux en ancien dollar. Comment est-ce que tu peux proposer une solution en tenant compte de notre culture? Voilà, comme je vous dis, Asa. Le troisième point, il y a toujours quel type d'architecture faudra-t-il mettre en place et utiliser ou encore s'inspirer pour l'architecture de demain, pour le Tchad de demain. Donc, c'est-à-dire que à Salon Coran, logements sociaux, enseignants, il faut que ça soit selon les modes de vie de la personne. À ça, par exemple, un HLM de la Paris, dans un S1, be da kurkulu mai da kinda balkon wai sakare tout ça da fi bakan chat din da mayar kap kamil ko. Donc c'est pourquoi architecture ça quand architecte tu quand tu concevoir choc là, il faut toujours tenir compte aussi de l'existant, de tu fais une analyse profonde. C'est pourquoi on passe chaque fois par une analyse dans un début de projet là. T'analyser le projet là, tu chiffres tout bakan chawari do la gain faka comme dimension na kwamada ine tu harai la gain faka yibewen. Est-ce que vent dominant gaiji bewin tu tiens en compte ou tisha mode de vie ananas c'est pas pour rien que on a fait présentation à Gara Sagan Rukuda. J'ai parlé de voilà je koto là ils sont c'est un peuple voilà monsieur mon activité principale voilà monsieur la pêche c'est pas pour rien c'est pour intégrer aussi le mode de vie ananas. C'est pas pour rien qu'à ça on a fait mode de vie ananas c'est pas pour rien que on faut que comme ça espace les hommes au titre des femmes les genoux les calmes intimité nas rujal ma une ma le mot que michi baka na kala occidental la une ma rujal le mot fi salon wet asa par exemple fichada takar ti salon wet le a une rujal ma takar ti. Donc c'est pourquoi c'est pour dire que genoux tarfa asa la plupart de nos architectes ils copient seulement c'est des projets copiés collés
et tout là. Il s'inspire beaucoup plus du manga modernisé, là, mais pas en tenant compte aussi du mode de vie de la population. Et normalement, tu vas tenir compte de tout. C'est villa, les fille, par exemple, ailleurs, quand fille Tunis, quand fille Maroc, voilà, fille France, voilà, ça peut pas être même villa, ma ligne, c'est fille Tchad, quoi. Parce que Tchad, il faut que tu aies l'espace en Aouine, en Aroudjal, tu aies le cours à faire. Bétana, yani fi adi agina ke indina bétana élève dol shundol indina kay or ke dafi ayer ma fi c'est pour voilà kan asa alum kan wala logement social les enseignants kulu indum yal donc ça veut dire qu'en te concevoir da voilà il faut faire ça tenir compte de tout ça tous ces aspects à tenir en compte avant de le faire quoi voilà c'est un peu ça je ne sais pas si j'ai répondu à sa question Merci beaucoup bon pour ces réponses. et Masta pour ajouter hein. Pour ajouter, il y a aussi des Marocains qui sont, ce sont des investisseurs marocains qui sont venus. Voilà, ils ont proposé au chef de l'État, un truc quoi, Michel, résidence, Michel Logement Sociaux, les Tchadiens de l'Europe, Michel Yokoto, sans fil, là, ça, comme dit, fils sans fil, chat de fil, ils ont un euro sans fil. Quand dit, talga commune féminine, chia, comme moi, talga bakan wa Michel Adolo, bakan un souk, un tendre que tire Adolo. Bétoua et Michel Villa qui a droit à logement social. Donc, on a un prototype, le président de Gamadia Chafa. On a un Michel Estilana marocain, le président de Gamadia Chafa, le projet de Gamadia Chafa. Non, 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 ça, ce ne sont pas des. Bien qu'il n'est pas architecte, hein, quand le président a vu que le Tchadien ne peut pas vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pour dire, je nous, quand si un architecte conçoit quelque chose, hein, il nous faut absolument tenir compte de tous ces aspects de la quoi. Qui est Nazagayushu, Nazachou, Asana, Sud, Manasan Norgulu. Yani habitat le mieux pour faire ça parce que moi mode de vie en Amérique mode de vie en être bien ici c'est donc c'est pourquoi yani, voilà pour un architecte devant il faut pas donner les ingénieurs de le concevoir plan de l'architecte parce que les architectes réfléchissent beaucoup D'accord, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Moussa Gayori, est-il possible de moderniser nos architectures traditionnelles? Bon, tu as répondu déjà. Voilà, oui, c'est possible de moderniser notre architecture traditionnelle parce que l'architecture traditionnelle à Guinada, Indina, Michel Matériau de l'Ouadine, Matériau de la Matériau, Adil Michel la terre cuite, Tina, ça quand je vois Tina, man, je vois le Tina, vers bête ma dire le Yaga, voilà, je vois, non, non. Il y a ça, par exemple, il y a des briques de terre comprimées dans le Kloogadin, il y a des briques de terre comprimées, il y a des briques de terre cuites dans le Kloogadin. Donc, de la nature, on utilise les modernisations architecturales à travers les matériaux, à travers aussi les formes, à travers aussi l'organisation spatiale. Donc, c'est ça qui entre en jeu, les moderniser l'architecture quoi. On utilise les matériaux propres à Guinée-Bissau sur place, pas utiliser Michel Famat, ça coûte très cher, les structures coupent ça sert à rien. Donc, c'est ça qui donne une identité architecturale. Il faut, au Tchad, nous n'avons pas une identité architecturale en quelque sorte. Par exemple, je suis le cas à Marrakech, et tout ça. Marrakech, c'est comme Michel. Tu as le type en architecture, ouais. Tu as le type en architecture, en homme de woman, coulou ça. Coulou ça. Tu sais, tu as dit, tu as le but de la coulou à tout couleur en homme. Parce que, moi, il faut suivre à toi, non. Suivre la structure ouais, les zones. Temchi par exemple Kaza voilà Temchi par exemple Mahmedia voilà qui Temchi Koulou. Yani aïe Bakanda une de type en architecture en architecture. Asa par exemple master tu as été en Tunisie. Asa la structure en Sidi Bou Saïda c'est un peu différent de la structure en à côté centre-ville ok c'est un peu différent. Donc voilà c'est à dire Asa mais j'ai une acte utilisé peinture bleue d'eau gars utilisé vraiment dans les organisations spatiales en homme et c'est un peu ça quoi. D'accord. Il y a Nabila Oretta Nzoudou R de Chieke. Comment on est arrivé dans 6 minutes quoi. Dans Nzoudou Chieke, comment on est arrivé dans Nzoudou Mais quelques pas minutes. ça, Bah, Mringa. Anna, ça me gêne pas du tout, quoi. On peut aller jusqu'à 2 heures, y a pas de souci. D'accord. Bon, ce qui veut dire que quand on s'est mis à l'occasion d'une heure de Mringa, il va t'en aller après 1 minute parce que je vais continuer. Man, Donc. خليك تكونتيني ولا نبوزي كيسيون دول ورا ده في هاد ليجند كون غاتن تكونتيني اخر سا سي مي خاصني نبوزي لك كيسيون دول بون اوكي باسكو بوزي لي سي مينيت كيسيون ده و ابري نشوف واش 6 مينيت كان بدل ده نكون ينجاتي اوسوتو يجي ما هو كيس كي يا باسكو ريبريزونت سي لي غالي 4 تور طون بروجي اوكي دي فين ديتيد
Pour mon projet de fin d'études, les quatre tours, ça représente aussi les quatre grands événements que le Tchad a connus. Dans mon mémoire d'architecture, j'ai analysé et nous avons. J'ai fait des recherches et voilà, l'armée nationale tchadienne a connu quatre grands événements. Je parle de grands événements, pas des petits événements comme Opération Colère de Boma et autres. Non. Donc, c'est pour dire que Arbadol, ça représente ça. Voilà. C'est en fonction de ça, j'ai réparti et tout. Au fil, chaque volume à l'Arbadol, il y a une histoire qui est retracée, un parcours, il y a un parcours qui les relie. Je suis en train de faire la vidéo. J'ai déjà fait la vidéo, mais il manque aussi quelques détails. Donc, Inch'Allah, d'ici quelques jours, je mettrai la vidéo bref sur Instagram pour que vous puissiez voir aussi l'intérieur, comment ça fonctionne, quels sont les objets que j'ai exposés. Et voilà les parcours, en quelque sorte, vous allez voir tous les parcours qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Regarde, le FICA va, les gens ne respectent pas les réglementations. Il y a Sibyl Voilà, qui a dit ça. c'est un problème, vraiment important, quoi, puis côté dans l'avenir. Bon, les gens ne respectent pas la réglementation, il y a tout. Ou ce n'est pas à la population de respecter la réglementation, ou avant de. Question que tu m'as radio, question Odinga et Dibaden, te poser dans le coin, Inch'Allah. Ça va? Non, oui. Allez, donc, je poursuis, voilà. Allez, vas-y. Il nous reste Voilà, question encore. des 6 000. Les gens ne respectent pas les réglementations, là. Ça ne vient pas d'eux. Ou étant exactement gâché la responsabilité. Non. Ailleurs, par exemple, hein, en tout cas, exemple, en Tunisie, par exemple, il a permis de bâtir. Je pense que au-delà de 100 mètres carrés, ou le Junda, au-delà de 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés, je pense, tu dois absolument faire appel à un architecte. Au bêta, quand tu dis là, tu dis là, quand tu dis là, au terrain, tu dis là, tu dis là, 2 mètres 50, tu dis là, l'autorisation, tu dis là, l'autorisation municipalité. Puis, maire, on a un rendez-vous, normalement, tu dis bêta, tu dis bêta, tu dis là, tu dis là, tu dis là, l'autorisation arrondissement avec maire, arrondissement avec tu dis là. Parce que dans un cahier des charges, au fil permis de bâtir, je pense qu'une exigence de loi, il y aurait que une petite bête à obligé de tisser Chadaraï. Puis, il y a tout à fait carré charge à Koulougaï. Il y a une exigence de loi complète. Vous voulez que zone Alda, zone en R plus 1, il y a une maths foot à fata R plus 1. Voilà, zone Alda, il faut que tisser Chadaraï, qui d'un bête à tisser Misha Arba Chadaraï de Misha Misha Getis. Ou en même temps, il y aurait que nous, trottoir en Alda, Halima et foot à par exemple 2 mètres ou 3 mètres, il y a des roulets que Misha Bakou. C'est ça, d'abord, réglementation de la. Maintenant, c'est meilleur pour réglementation. Donc, maintenant, c'est à nos dirigeants, ça garde une vie, mairie, tout ça. C'est eux qui ne font pas vraiment leur travail. C'est eux qui doivent vraiment faire la réglementation. Et tous les nazos là, nous quand il tout là, au fil permis de bâtir ça, absolument. Tu dois faire appel à un architecte. Et l'architecte, l'ingénieur, il est en symbiose, il est en symbiose. Donc, l'architecte et l'ingénieur sont complémentaires. Donc, ils doivent absolument voilà, travailler pour voilà, réaliser les projets. Donc, c'est un peu ça. Je pense que pour la solution, dans le ministère en urbanisme, en aménagement du territoire d'eau et tout ça, ils doivent vraiment travailler sur ça pour que tout permis de bâtir à la disposition de tout un chacun. Les gens n'ont pas respecté les réglementations. Matin, 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 quand on risque, capital l'a échangé, quoi. Oui, je pense que moi, il a été tourné, j'ai raison. Allez, exemple, le jour là, c'est ça la réglementation, les gens ont construit, je pense, il y a toujours fin Nigeria. Ah, voilà, je pense, la capitale était Assama, Abuja. Ah, voilà, c'était Kano, je pense. C'était Kano, je pense. Donc, ils ont changé. Ils ont changé de capitale par la suite. Parce que chez nous, réglementation, maintenant on respecte les réglementations, mais finalement, ce que le gars, c'est pareil aussi pour le Sénégal. Le Sénégal, là, ça a deux villes jérites. Ville en Dame Nadio. Il y a deux villes jérites parce que chez nous, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps.
Égypte, c'est pareil. Égypte, c'est pareil. Bana, presque, Kamala, Gribi, Kamala, Kulu. Villa, Gajerita, Sagaya, Drouda. Et pour ne pas avoir ce genre de problème dans le futur, il faut qu'il respecte les réglementations ou nous foutons au Michel. C'est un peu ça. D'accord. Question Anna Perloïta, aura t'a donné des conseils aux gens qui ne font pas appel aux architectes, quoi. Les aux conceptions et tout le Bon, Adage Wagayurigal, qui est celui qui ne sait pas, je pense, comment celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas une idée de ce qui va lui coûter un professionnel, là. Yani, le fait que Baden, quand tu as fait appel à quelqu'un, bon, à un maçon, voilà, qui est au Kambé d'Avadouagara, tu ne sais pas ce qui va t'écouter. Alors que faire appel à un architecte, là, je pense que ce n'est pas quelque chose de difficile. Bon, ce n'est pas quelque chose de coûteux. Bon, déjà, un petit cambet, il faut toujours faire appel à un architecte. L'architecte, c'est lui le concepteur. Yani, selon Juan Macalintica, l'exigence en agonitura, tout l'anandore petkia, en respectant les normes, quoi. Il respectait les normes, matériaux utilisés, voilà. Quand il fait un matériau utilisé, donc, c'est pourquoi faire appel à un architecte, c'est vraiment très important. Ou Nas, Fikada, avant qu'un émissaire se tue en première année, il y a une manarfa, c'est quoi la différence entre l'architecte et puis un ingénieur? Là, il y a une manarfa. C'est à Saratan. Manarfa. Donc, au bureau d'architecture, il y a un bureau d'architecture, il y a un bureau d'architecture, Fikada, avant qu'un ingénieur se manarfa. Donc, je pense qu'à travers ça, à travers. Sensibilisation, bon, je ne sais pas de quel type de sensibilisation, par quel moyen il faut sensibiliser la population et tout ça là, pour que Yarfou, voilà la différence entre architecte et ingénieur. Quand est-ce qu'il faut faire appel à un ingénieur? Quand est-ce qu'il faut faire appel à un architecte? C'est vraiment à voir à travers des conférences, à travers des lives, etc., à travers des associations télé et tout ça. En même temps, c'est la mairie qui peut jouer un rôle très, 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 très important dans ça. En imposant les permis de bâtir. Au fil permis de bâtir, d'abord, il y a une exigence gay, quoi, pour qu'ils vont faire appel à un architecte. Donc, la mairie peut vraiment nous aider pour valoriser vraiment les métiers d'architecte. D'accord, merci. Fi projet en Agbagal, quels sont les quatre événements qu'on a devant cette salle? Je n'ai pas noté les nombres. Les quatre grands événements, là, nous avons d'abord la première guerre civile à Guinée en 79, là. L'armée a été créée en 1960, après les indépendances. Donc, c'est une armée coloniale, après la Big Armée nationale tchadienne. Par la suite, premier éclatement, le Big Da, événement, ça, au temps des Tombolba et tout ça, donc, Marwamana, Frolinado et tout. Donc, c'était la guerre civile en 79, là. Par la suite, il y a les conflits tchado-libyens. Le conflit tchado-libyen pour la bande d'Aouzou, c'est le conflit qui a voilà, opposé le Tchad à la Libye pour l'annexion du territoire tchadien. Par la suite, nous avons aussi la deuxième guerre civile, côté deuxième guerre civile Norida, tout ce qui est événement 2006, 2005, 2006, jusqu'à 2 février, tout ça, là, 2008. Donc, en quelque sorte, voilà, nous avons. Donc, c'est un point aussi très important et l'un des événements aussi marquants de l'armée nationale tchadienne. En même temps, en quatrième point, là, après 2008, le Tchad a changé un peu de. L'armée nationale tchadienne a changé les caps. Donc, le Tchad participe beaucoup plus au maintien de la paix et de la sécurité. Donc, c'est aussi un grand événement. Donc, voilà les quatre grands événements. J'ai essayé de répartir. Au salon événement d'Ola, j'ai créé un parcours qui relie les quatre grands événements d'Ola. Et c'est périodique et par ordre aussi historique aussi. Donc, voilà, ce sont les quatre grands événements. Ok, merci bien. Monsieur Madeira, pourquoi les étudiants ne s'intéressent pas à l'architecture intérieure? L'architecture intérieure. Déjà, quand tu fais l'architecture, quand tu travailles l'architecture, au sens propre du terme, il n'y a pas, Michel, architecture ou architecture. Moi, une architecture intérieure, voilà, chez nous, voilà, bien, d'affi normal, d'affi normal. Lakin, voilà, on les appelle des designers.
Humani se spécialise beaucoup plus dans la décoration intérieure et tout ça, de comment va être et tout. C'est une spécialité à part. Donc, contrairement à l'architecture, maintenant, ils sont 6 ans à Humani, ils sont 4 ans. Ils sont 4 ans. Oh, donc, c'est devenu une filière à part, architecture d'intérieur. Oh, donc, oh, les gens ne s'intéressent pas parce que moi, ils ne sont pas sensibilisés. Mais, à sa fille, Tunisie, nous avons rencontré. Nous avons fait, j'ai organisé, j'ai organisé un président avec un Mouattal et Atom aussi, même au temps de Mouattal et Atom. Nous avons organisé, je pense, une journée de sensibilisation au niveau de l'hôtel Hilton pendant les vacances pour sensibiliser aussi les futurs bacheliers à choisir aussi les filières comme l'architecture intérieure d'Ola, l'architecture à Fardola et tout ça. Donc, je pense que d'un problème en orientation, dans ce manière. Donc, les gens sont mal orientés. Les étudiants ne sont pas bien orientés. Ou à travers ça, je pense Christian Madé. Christian Madé, Kouloubé, Talim Dola, ou je pense Terda Dol Kouloubé, à tout un moment, étudiant tchadien. Dola, avec ça, là, je pense qu'ils peuvent sensibiliser les futurs bacheliers sur les filières importantes. Michel, ça, l'architecture intérieure et autres. Choukran, pour ces éléments de réponse, il y a Ahmad Gaya Saliori qui est-il possible de prendre un quartier, un plan en apparence de et le transformer en moderne? Mungkin de comment? Ah, c'est possible, hein, c'est possible, mais ça va être coûteux. Ça va beaucoup coûter. Ou Tarfa, pour un quartier Kamil, bon, on peut le faire, hein, on peut transformer les quartiers en éco-quartier, un quartier écologique. Voilà, tout ce qui entre dans le développement durable, en plantant des arbres, voilà, en plantant des arbres, en même temps, ces espaces verts d'eau, voilà, beaucoup de choses, quoi, beaucoup de choses, mais ça va coûter, ça va coûter. Oh, Anna, bon, pour moi, là, c'est-à-dire c'est de le faire ailleurs. Parce que, comme c'est déjà construit Kassira, ou Kanifou Adil Kouloumafi, et tout ça, ça va non seulement être coûteux, mais moi, ça ne sera pas facile. Voilà. D'accord. Question en MA 35-26 correct pratiquement, même sans adresse au Ragal. Si maintenant on décide d'élargir les rues ou moderniser un Gamena, comment faire et quelle solution proposerez-vous? Vous proposez un Non, Gamena ou non, vous l'île? pouvez. Quelqu'un veut la question là, que moi, faites attention, je dirais. Ouais, si maintenant on décide d'élargir les rues ou moderniser un Gamena. Comment faire? OK. Ou bien quelles sont les solutions que vous proposez? Bon, pour moi, là, ça, Kalyana, là, ça, le climat, il y a un climat, hein. Ou nas service nas un cadastre d'eau ou tout ce qui est ça nas la gay bon gay so to nas un aménagement du territoire et tout là quand il le dit gay so là en jamais la marche bis hatta ma hatta kulu ma fi gay zid game chi game chi ba ça ma je pense que dans quelques mois là ils ont arrêté et limite en jamais comme so pourquoi parce que en jamais ma in da schéma directeur normalement ailleurs il y a un schéma directeur. Schéma directeur, là, c'est conçu par les urbanistes, les architectes, ingénieurs de Koulou et Ou est tracé ce schéma directeur là, il est placé. Le schéma directeur là, c'est toute une étude. Il que voilà, fait quartier là, il y a un tel nombre de populations. Bon, fait quartier là, il y a un tel nombre de personnes. Khalas, ils sont jamais là, ils sont en 100 personnes, mais ils sont en 100 places, 200 places. En tout cas, c'est en fonction de ça. On a Koulou, c'est pareil, une étude avec des statistiques d'eau, vraiment de Koulou, il y a un Michel. Donc, il doit le schéma directeur. Il y a un schéma schéma directeur, il y a un schéma directeur. Espace, espace vert, Koulougaï, Bakanana, espace mis dans le centre culturel, Koulougaï, espace, yala, au bal, Koulougaï. Ah, ça, c'est la question. Puis, yala, c'est vrai, quand on a au bal, fichari. Ah, voilà, il y a un terrain, vite, vite, n'est-ce pas, c'est ma bonne heure. Bakan avait terrain, t'es là. Au fur et à mesure, quelques années plus tard, Bakan, yala, au terrain, bal, là. Terrain, on a Zagaï, occupé, gay, du Yogunu. C'est-à-dire que rien n'est prévu. Espace vert, Garindo, espace, réserve, Garinda. Il n'y a pas un espace, même les gens ne peuvent même pas respirer. Ok, ailleurs, c'est le Soudan, et tout ça. Voilà, dis-moi, c'est sacré. Réserve, il permet de les nazes. Il permet de les. Soudan, il y a un ramadan, il y a une culture.
يعني فطور ده اي نار يمرق بفطوره كبره يمشي يقول يا ترى وفطوره ولا يقول مش في شهر مش لاقينا نقول نو يقول انه اسباس انا مش يا ترى كي جايد اسباس واي مش الباسيو كبير كي اي واي يخط يا ترى هناك نارم كان عنده اودر كله يسي هناك نارم كان عنده شنو يعني سيرموني كلك سوا كان فرح كان كارا كله يسي هناك كله يسو اسباس اي بيرميت لنا ذا كله ناس هناك كثير مش وده شا بعد شهر واي شهر اثنين بس مش لاقينا و ça permet aussi voilà aération collégiale ou comme moi au climat humide c'est bien. C'est ce qu'on n'a pas tenu compte. Le Soudan avait compris. Le Soudan a sa camchette, il y a un drôle. Bien que les maisons ne sont pas bien construites, les mais ils ont bien tracé les routes. Ils ont bien tout, tout, tout planifié sur le côté urbanisme. C'est très bien planifié. Il y a un les gens occupent les rues. Ils sont tous chers. Ils sont les matins. C'est pourquoi il n'y a pas un schéma directeur. Je pense que c'est à nous maintenant, sa génération, à Nasa Garinda. Ah ouais, la masse, la qui a Nasa Garinda. C'est vrai, nous avons beaucoup voyagé. Nasa, il y a la Ketir Morgo Baragoro et tout ça. Je suis fou, Bakana Nasahar, Mahagan, Nasa, la masse. C'est pourquoi, c'est quand Dina, nous gouffons de l'homme, nous l'homme, nous l'homme, Bakan White. Et puis, oui, on cherche une solution en traçant aussi un schéma directeur, en faisant aussi. Ce n'est pas pour rien que moi, j'ai créé l'association Africa Green Connected. Africa Green Connected, yani, c'est pour aussi lutter contre tout ce qui est comme être loco. Je lutte aussi en faveur de l'environnement, mais yani, espace vert, là, ça garine d'où là. Matin, matin, koulou, quand il crée même un mouvement, koulou, que ce soit politique ou bien que ce soit et tout, là. Quand nous sommes fichari, koulou, quand nous sommes manifestation, koulou, là, une dame qui dame d'espace vert, elle garine d'où là, je pense que moi, je suis. Ouais, c'est ça notre but. Nous sommes l'espace vert d'où là, n'aménager, n'agalou, à l'unage, à l'échoua, à l'garine, koulou, et du neuf, à l'égène, à l'garine, ouais, d'où il est à koulou, et du c'est comme ça nous allons avec ce climat on a un bête d'arrêt le matin car tout ça voilà je ne sais pas si j'ai répondu aussi à la question de la personne donc il n'y a pas de souci il y a le prince Gaïs Adiori de son point de vue là, les architectes font leur conception là est-ce qu'ils tiennent compte fil réalisation à quoi parce que il voit parfois des conceptions qui sont réalistes est-ce que c'est vrai qu'il faut bon partir bon vous regardez la gage du projet ou utopique du projet utopique je pense que un architecte quand projet qu'un gars essaiera je pense qu'il y a tout il y a trois phases la phase APS avant projet sommaire ou il y a la phase APD avant projet détaillé ou la phase de réalisation, la phase d'exécution, quoi, exécuter. Ou si un architecte comme ça, quand même, ça va faire phase APS, ça va projet, ça va faire phase APD, il doit être calculé, il y a tout le quoi. Il y a des chiffres, pour tout les placer, il y a tout le quoi, il y a APS, l'avant-projet sommaire, c'est juste la traduction de ton idée, c'est traduire où, architecturalement, à travers un plan. M'a détaillé, mais juste voilà l'image du projet en quelque sorte. Tu vas faire, il y a tout en a quoi. Tu dis avant projet sommaire, c'est un avant projet sommaire. Par la suite, tu as fait avant projet détaillé. Avant projet détaillé, c'est là où tu vas placer les poteaux, tu vas tenir compte. Il y a tout à Gadol, les poteaux passent par où, poutre, tout ce qui est cool, et tu fais ma phase d'exécution dans le collège. APD, c'est beaucoup plus l'image du projet. C'est vrai, ou exécution, là, quand même, ça détermine tout. Donc, il ne faut pas croire que, voilà, monsieur architecte, nous sommes des dessinateurs et autres. Non, non, non. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un architecte, après avoir fait comme le cours complet, là, yani, tu ne vas pas dire que, voilà, comme tu viens de dire dans ta question, sur ta question, yani, on fait des conceptions bah, sans toutefois que tenir compte de réalisation. Là. Non. Ah, ça, je suis dans un chantier. Je suis dans un chantier, là. Il y a les bureaux de l'architecte, bureau de contrôleur de l'Ogadine, ingénieur de l'Ogadine, c'est vrai. Là, il y a un bureau d'architecte, ça se vit dans un chantier. Architecte, il doit être Yeji, à chaque fois, il tenir, chaque semaine, il y a une réunion, à chantier, chaque semaine. Donc, tu tiens, tu fais réunion, tu vérifies, est-ce qu'ils sont en train de suivre les plans, voilà, il suivre le tissu jusqu'à la réception du projet. Donc, jusqu'à y a tout réceptionné le projet là. Un architecte ne dessine pas parce qu'il est non, non. Il doit rester jusqu'à la réalisation. D'accord. Il y a M. Djorok Gaes, quel matériau locaux principal utilisé
pour ce projet national. Je pense qu'il y a des projets là-dedans. Bon, vu le projet Agira, bon, on peut utiliser les bétons. Vu côté structure d'origine, on peut utiliser les bétons. Par exemple, aussi, même la terre, hein, la terre cuite, c'est briques de l'eau, avec des briques cuites, on peut utiliser. J'en ai modernisé. Manougoulou, c'est juste un projet voilà, qui s'inscrit dans la tradition. Parce que, non, c'est un mélange de tradition et de modernité. Donc, c'est pourquoi on peut jongler au niveau de la structure et tout ça, au niveau de la fondation. On peut utiliser, par exemple, des matériaux qui sont beaucoup plus. Comme les bétons armés et autres, ou par la suite, on peut utiliser des matériaux locaux comme des briques cuites, briques à granulat, mardula, ou briques en terre d'or et tout ça. Voilà. D'accord. Baba Ikongaï, salut. Penses-tu qu'on peut retracer les villes? Il y a tout, bye Baba bye. Ah, ok. Penses-tu qu'on peut retracer les villes? Mais il y aura vraiment beaucoup de dommages. Hein. Il y aura des dommages et des dommages. Voilà, sur cette question-là, je pense que les urbanistes sont bien placés pour nous le dire. C'est vrai, nous avons des notions d'urbanisme aussi. Urbanisme, c'est maintenant, pendant presque 2 ans. La notion que tire, ou c'est vrai, fille côté urbanisme, là, ça nécessite beaucoup plus de moyens. Parfois, quand il faut retracer, je suis là, quand retracer, quand plutôt. Chawari kantora mishil tuwe sime et tout là. Il faut que kura nazo la telemisa. Turu dura nazo tikasira et tout ça. Nazo kuli duru de dommagement. Eta kan maenda guru sezera. Sera très difficile. Mishil asa na kana gardo le kosorora. Sa kute. Yani il faut que Eta yifetisha le nazo la boro. Barra barra le nak. Ou batan ni yentim guru skule mishil aduru et tout ça. Ça va coûter beaucoup plus. Anandora ki al hasa gare yu gufu. Minasa al gidam mishil borna shana et tout là. Le fait que borne bakana dola. يعني المينا قدام ده اصلا اصلا قاعد يوقفوا عن جميع الناس خير رسامه كبير نقدر نموديفي نادرو يعني جونغلي شاشه المينا قدام ده انا ندور كي يعني ما يعني يا سلون دي نورم يتراسي اديل يتنير كونت دي سباس فيرت دور كوماندو كومبلي مي على اصلا لو مال ايتي في دونك اون بي لو كوريجي مي بون سا فا براندر بوكو دو سا فا كوتي بلوس دو مويان اي سا بي سي فير اوسي سي بوسيبل. D'accord. Il y a Perlita qui demande, en fait, il y a du fille. Le système de canalisation d'Agal. Pour que le cas de N'Djamena, tu penses encore que le système d'égout est encore possible, selon toi, ton observation? Tu penses que les futurs architectes peuvent épauler les urbanistes? Oui, pour le cas de N'Djamena, je pense que même Bololo Dolké, Avenue Canal Saint-Martin jusqu'à Tosal. Devasganaro Kanifo Abdal. Donc, je pense aller, il y a tout une autre, aller côté en Asmachon Dola, dit-il, je vais côté en Clémata, Tamurgana. Ouais, il y a jusqu'à Yamurk, il y a un canal Saint-Martin, côté en ministère en économie, plan économie de Yamurk, jusqu'à Vénaco. Yamurk, jusqu'à Fibar. Et goût, dépassez-le. Normalement, ailleurs, et goût, la gamine, la gamine, on ne peut pas construire une ville ou tracer une ville sans toutefois tenir compte des égouts. Non! Et goût, absolument. Absolument, égout. Je pense que le système de goût, je pense que c'est possible, mais ça va vraiment être, causer des dégâts, tant matériels que financiers. Ça va coûter. Mais c'est pourquoi j'ai dit, nous, maintenant, ça va aller me prévoir. Je pense que c'est un problème dans l'urbanisme. Quand je suis, par exemple, quand on a Tunis, métro, la magaïm, je allé, disons, la Wina, mina, arena, guidam, magaïm, je tout ça. Ça, c'est le chez nous. Parce C'est vrai. qu'aujourd'hui, ils regrettent. Voilà, ils regrettent. Ça, alors, en Tunisie, pourquoi ils ont opté pour des échangeurs d'or chez nous? C'est parce que la circulation est dense. Au moment où il faut qu'on fasse un transport. Or, que le Maroc a bien compris. Au moment où ils ont tracé le chawari d'or, ils ont tracé le chawari quand même. Le chawari en métro d'or, chez nous. Ça, c'est un barème quand on a eu le système en métro. Le chawari à l'ouen, ils ont fait un métro d'or. Moi, c'est ça. C'est pourquoi, non, non, c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi, fiche schéma directeur, tout est inclus. Char, il y en a transport public, il y en a bus, gare, il y en a gare multimodale, tout est inclus, fiche schéma directeur. Donc, c'est-à-dire, on est en train de penser la ville en miniature. Voilà, c'est ça, je pense que justement, ça peut se faire, mais ça va coûter. Ou en même temps, suite à la question, est-ce que les architectes peuvent épauler les urbanistes? Mais bien sûr, pour tracer un schéma directeur, là, il faut absolument que les architectes soient là. Donc, c'est là où se trouve vraiment le point commun.
Donc, c'est ce travail-là qui va relier les urbanistes avec les architectes, quoi. Donc, puis côté schéma directeur, vraiment, ils peuvent travailler en symbiose. D'accord. On a fait 23 minutes de questions à Radim Kolagaydin. Qu'est-ce que tu préfères? Radim, t'es présenté ou la petite question de... Là, moi, c'est Kinkolagaydin. Excellence. Bon, je pense que bon, question pour le Katir Gadin, je vais parler un peu de voilà de la solution, des solutions en quelque D'accord. sorte pour moderniser un peu voilà tout en tenant compte de la tradition notre architecture. Alors, la solution que je propose là, c'est comme voilà, il faut tenir compte des matériaux agricoles là. L'une des solutions là est de vraiment tenir compte des matériaux. Il faut qu'on étudie les matériaux. Matériaux, c'est très important. Matériaux agricoles écologiques. Écologiques parce qu'on utilise la terre cuite ou briques, style agricoles. C'est vraiment écologique. C'est seulement que, comme on ne fait pas appel aux architectes, les gens construisent, là, ça, il y a tout, c'est vraiment dimension à 10 cm d'eau et tout ça, ça va cher. Or, qu'Anna, Inda, Anna, Sophie, Pierre, Structure, Raganabou, avec les systèmes de double paroi. Système à double paroi, là. Vraiment, ça marche bien, du côté en Tchad de la Mora, parce que nous avons un climat très chaud. Quand, par exemple, doubler mur, là, quand doubler mur, là, ou si t'as Tahali, tu sais, voilà, isolant, voilà, tu sais, Michel, vide, ouais, Tahali, il y a un mur, là, au lieu d'y avoir 10 cm, là, il y a quand même 30 cm. Il y a 30 cm, comme ça, quand Michel Mimbar, quand Dagali, Drengel, le premier, vide, là, Ousoud, voilà, soit, Ousoud Gaïda, il filtrait les airs chauds, là. Les batailles, je fais deuxième brique d'un. Vous voyez, donc, on a dit ce climat, ouais, il y a des barres. C'est ça qu'il faut vraiment tenir en compte. Donc, c'est pourquoi, il y a des matériaux, il y a des adil. C'est vrai, les gens utilisent bloc d'eau ou utilisent béton d'eau, c'est ça que. Vraiment, ça ne marche pas au Tchad. Ça ne marche pas vraiment au Tchad. Il faut utiliser paille d'eau, ça paille à gain d'eau, brique à gain d'eau, là, et tout, là. On peut vraiment utiliser pour moderniser notre architecture. Modernisation en architecture, là. Yani, en tenant compte de la tradition et de la modernité, yani, Manourou se repose seulement sur les matériaux. Non. Fille, disposition à Saint-Michel, fille, yani, disons, organisation spatiale. En Amzat, il faut qu'on tenir focus. C'est pourquoi j'ai parlé un peu de Bétali, Europe, donc, c'est-à-dire que quand on modernise la structure, il faut qu'on tenir compte de la réalité qu'on vit. Fille toi gena fille foyer gena ou fille quotidien il faut qu'il tenir compte foga ou aller moderniser l'architecture à gena. Je pense qu'il y a des projets en Afrique à Salom vraiment les architectes par exemple comme Francis Kéré, Michel Benetele, Mamadou Issoufou Toula yani il moderniser l'architecture en tenant compte vraiment de la réalité africaine. Il y a une architecture africaine. Ah c'est vrai au Tchad n'avons pas une identité architecturale. Mais ailleurs, il y a beaucoup de pays ont une identité architecturale. Anina mais une identité architecturale, là, ça me chiana koto kodol et tout ça. Tu peux valoriser ça. Ah, ça fait peinture, regarde ces dollars. Tu peux tenir compte des décorations. Ana koto kodol, là, ça, ana, je ana givel, ou ça, tout kofi, mille dollars. Tu peux tenir compte de ça pour que les tissés peinture, ana bête, akdol, kondol, tissé. Putain, c'est ça, la modélisation, là, ça passe par la valorisation de ce qu'on a. De ce qu'on a. Pas aller commander manarfa des maisons préfabriquées ou bien, je sais pas, pour aller chercher de l'aluminium là-bas au niveau de Michel Chindourinac, des fétiches, moi, non? Voilà. C'est un peu ça, le projet Wadin que j'ai analysé dans mon mémoire de fin d'études. Ce sont des projets aussi qui sont très importants. On est impatient, vous allez voir. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, ça c'est.
Voilà, je vais vous montrer un projet. Voilà, projet, là, je pense, suis Kenya. Projet là, pour expliquer le projet d'Agafi, c'est la forêt. Donc, quand on parle de réalisation d'un projet là, à l'africaine, il faut tenir compte aussi de l'existant. Il faut tenir compte de tout ce qui est matériaux sur place. Bon, il y a tout fleuve, il y a Almi ou en même temps une chaudière d'organique. Qu'est-ce que les gars ont fait? Gatsi, toute la maison, elle est couverte. À sa couverture, le gars, il faut que tu fasses cool ou c'est de la paille. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les matériaux qui sont sur place. Les matériaux qui sont sur place, là-dedans. Utiliser bois en forêt, là, comment utiliser? Utiliser bois, etc. Garinde, là, comment utiliser? Ouais. Bon, là, c'est à l'intérieur, comment utiliser bois, le gars, sur place, allez, ça va, dit, là. Au lieu qu'il y a ça, quand on a normalement utilisé les carreaux à l'arrière, là, quoi. Carreaux à l'arrière, ça, gars, tu as utilisé. Or, que vous avez utilisé bois, là, ça, de l'eau. Comment transformer, comment ça, il faut qu'on parquet. Au faut qu'on a de l'inné et tout ça. Il y a une fille bagarre tout ce qui est moderne qu'on utilise là peut-être peinture de là et tout ce qui est comme tout là quoi enduit de l'intérieur c'est beaucoup plus moderne. Il y a une halbata quoi. Voilà, voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est une maison que c'est une maison d'hôte. Il y a une hou. Ah ça bagarre on a bien implanté projet là. Chadera algarine de là comment faut filer bête là. Bien chadera de là quoi. Il y a une makassara. Aïe chadera quoi il makassara. Donc, c'est pourquoi quand on parle d'une architecture, on ne vient pas, on rase tout et on fait de nouveau. Non. Donc, il a tenu compte aussi du mode de vie à l'africaine. Nous avons tendance à nous réunir autour, à faire les cercles et autour d'aller nos groupes. Donc, Michelke, les gars, a tenu compte de tout ça pour l'organisation spatiale. Donc, tu vois, tout ce qu'il a utilisé comme lit de Koulouma, a utilisé lit moderne, Manarfa Diabomi Turquie, voilà Diabomi Nalechine, mais il a utilisé tout ce qui est comme bois, je te sais, avec tout est à l'africaine, quoi. Vous voyez un peu. Donc, Wenak de Koulou, c'est. Les murs, dit que les sites de Bakanda, les gars ont fait chez nous, l'architecte a fait, juste, il a coupé les morceaux. Un arbre, le mat mat de là, chez la gamme ça va faire Michel, il y a tout qui est mûr que gamme ça va faire. Donc ça devient vraiment extraordinaire. Un peu. Au faut comment utiliser Adi Michel, d'abord bois Canada et puis voilà. Donc, Shiva, Gatiba. Donc, qu'est-ce que les gars utilisent? Au lieu que ça ait une Michel en briques, voilà, béton, voilà, Michel lavabo, il joue une barre et tout là. Si vous avez un swing, vous avez intégré ma bois, vous avez intégré ma. Tout ce qui est moderne, vous avez utilisé da, robinet, ou utilisé swing, vous avez utilisé la utilisé. Donc, c'est ça le mélange entre l'architecture traditionnelle et puis les modernes. Donc, il y a un peu ça va, juste quand posé toi, comment on appelle ça, le. Donc, ce qu'elle a utilisé, au lieu de ces murs-là, comment ça va, juste la baignoire, voilà, les baignoires, comment utiliser juste de là pour que j'essaie, je vais boire, comment utiliser, rabattre à dire, pour qu'elle ait l'aération, les harayes, donc en même temps, les airs chauds qui échappaient. Donc, c'est une maison vraiment bioclimatique. Voilà, donc, il n'est pas allé loin pour aller chercher, mais il y a de la mûre, okay. Non, 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 pour que les hanams, il a tout simplement utilisé ça. Bien qu'à l'intérieur c'est moderne, mais il a utilisé ça comme mur. Donc, je sais pas, à l'intérieur c'est ça, il a vraiment modernisé à l'intérieur. Donc, il a utilisé, voilà. Donc, à l'intérieur, c'est un peu ça. Rasa Fogda, je pense que c'est en bois. Zada, ou ça va décoration à l'intérieur des plâtres, ou pour que ça soit modernisé. Voilà. Là, il a un peu décoré aussi avec tout là. En masse d'ambois, sanamdol, tout cas, comment organiser. Donc voilà la mise en place. C'est-à-dire que Gama tout là, placé le bâtiment de là. Entité de là, il a placé. Ou Rasarakul Gama Dia Sada Bé Chogala.
Pourquoi? Parce que les Harai, pour que ça soit aussi beaucoup plus Baganda Gabari. C'est un système en la double torture. Voilà, vous voyez. Vous pensez que ce genre de projet, Rana Khalid Novichado? Non, mais Khalid, non. C'est juste une volonté. Et faire appel aux architectes pour que ce genre de projet, là, voilà, je pense que j'ai ça dans mes projets. Et je le ferai aussi. Inch'Allah. Donc, il va dire la bibliothèque, il n'est pas allé chercher. Je ne sais pas, armoire, bah, en Turquie, voilà, non, non, non. Il a tout simplement utilisé, bon, je pense, le brick d'eau et tout. Il y a pas beau, le gars, il y a pas il y a pas livre à Gadolga, juste, il a mis des meubles pour organiser cet espace gamma, ça va, faut qu'il y ait une bibliothèque. Donc, Shiva, idée est géniale, que. C'est vraiment super. Voilà, c'est un peu ça. Hein, je sais pas, au début, la gamme a tracé. Normalement, là. Il peut mettre la chèque, peut mettre comme ça. Il y a des rotabakan, un projet à Guéline. Mais il a préféré, chez nous, respecter aussi ce qui est existant. Donc, c'est pourquoi il a faufilé. Il a bâtiment, il a tracé. Il a faufilé. Il a faufilé. Il a faufilé. Il a C'est ça, aujourd'hui tu as fait appel à un maçon, voilà, il dit, moi, il y a quelque chose de profilé. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. Tout ce qu'il a fait, là, il a utilisé les matériaux sur place. Matériaux utilisés de Shiva. Donc, tu vois, c'est dans le coup, brigana tine de l'eau. Gama ça va, ou après, gama déjà ça va, faut qu'on induit en a chaud de l'eau, de l'eau, phrase. D'abord, là, il y a ce gama ça va, faut qu'on chauffe la scène. Donc, voilà, grosso modo. La décoration, d'abord, c'est un côté moderne qui a utilisé M. Plâtre d'eau et tout ça pour faire. Bon, c'est l'idée géniale. Donc, voilà, en grande partie, les entités sont disposées de part et d'autre. Voilà. Mashallah. Je pense, ça, c'est un projet aussi qui est inspiré d'un baobab. Le Baoba urbain, c'est un étudiant aussi, c'est un groupe d'étudiants burkinabés et puis tunisiens ils ont remporté aussi un concours où il s'agit de construire aussi un projet de logement collectif à Ouagadougou. Donc, ils se sont inspirés de quoi? Ils se sont inspirés aussi du Baoba. Le Baoba, là, ça joue un rôle très important où utiliser les toitures à l'égard de complet, là, Michel Lani, Michel comme Baobab, c'est un lieu de rassemblement, un lieu de. Voilà et tout. Donc, Nascouvar, quand il y a du calame et tout ça, ils se réunissent toujours autour d'un arbre. Donc, cela veut dire qu'ils ont tenu compte de tout ce qui est tradition. En Azamanda, ils ont tenu compte ou ils ont retranscrit architecturalement. Donc, et si vous voyez, c'est un matériel utilisé dans le Kouleshiva, les couleurs, la peinture qu'il a utilisée et tout ça. Ou Aïe, Bakan Khata, espace vert, parce que. Voilà, c'est pour des raisons bioclimatiques, les refroidir et tout. En même temps, ça va nous gradoler pour que, voilà, air et drôle et tout ça. Pas de grandes ouvertures, mais vitres coupardoles et tout ça. Vitres coupardoles et tout, là, ils réchauffaient les bêtes d'Akalanda, ils ont utilisé. C'est ta bête d'Akalanda, vitres ma vie. Vitres ma vie. Donc, ce qui veut dire que on peut moderniser notre architecture en tenant compte de la tradition. Voilà. D'accord. Là, c'est un peu à l'intérieur. Voilà. Tous les coups, il y a les projets d'Akou Voilà Guide. Ce sont des logements qui sont à part où tout est regroupé par la toiture qui symbolise par exemple les baobabs. Où baobab, c'est un lieu de rencontre, un lieu de choses. Donc, c'est-à-dire que Maison de la Gadine, au lieu de rencontre en Amda, c'est les baobabs qui les relient tous, les toitures. Où les toitures jouent aussi le rôle bioclimatique en même temps. Donc voilà, c'est un peu ça. Où, en même temps, comme comme ils ont un problème d'électricité, toiture al fok d'agama utiliser panneau d'eau pour qu'ils alimentent les bêtes. Vous voyez un peu. Donc c'est ça c'est-à-dire les types d'architecture que nous devons utiliser pour vraiment mettre en avant notre identité architecturale. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça notre réalité. Donc on doit utiliser ce type d'architecture de là, quoi, vraiment. Au lieu de construire avec des vitres couvertes d'eau et tout ça. Et c'est un projet écologique en même temps. Donc, Wow. voilà, par exemple, ces projets, c'est un projet aussi au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont tenu? Donc, c'est dans un village. Idée en homme, c'est quoi? Minak Dabakanda Almi, ma fille.
Allez, ma fille, ils ont mis au centre culturel qui est sacré. Il y a des graffitis, graffiti, il y a des fonds de lecture. Non, non, ce n'est pas exprès. Pour que, pour mettre en valeur la structure de ce site, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu compte des matériaux sur place. Il y a les bois qui est là. Donc, voilà, ça sera moins coûteux. Donc, le bois, on l'utilise. C'est un système de récolte d'eau pluviale. Il y a des toitures. En même temps, les baïens, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un système. Là, c'est un centre culturel. Je vois, c'est avec des matériaux très simples. Là, c'est les bambous à Ghana. C'est le bambou de là. Oui, chaise, je pense, chaise, ouais. Je vous chaise à 25 000 la chaise et commandez mes barres du wap quoi non 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 c'est les bois de base chalou comme taille taille ou de base somme chaise au gagne c'est ça au fait c'est ça le fait de dire que voilà nous valoriser tradition à gagne c'est à travers ce genre de choses voilà donc je sais pas, c'est un projet très simple écologique avec un système de double toiture voilà il y a une bête des atamaya quoi quand c'est double toiture l'air passe à travers la toile là où il refroidit les toitures en quoi. Donc, quand elle est de Colbéni, vous voyez où il faut. Donc, c'est ce système-là qu'il faut vraiment et tout. Voilà. Mashallah, Je pense que, voilà, je ne sais pas si je vous ai vraiment convaincu. non, nas gay ro il gay retour ok, va singuer là. Bon, fille, à toi, il y a aussi un autre projet. Nous avons tenu compte de. C'est un projet collectif. Nous avons fait avec d'autres étudiants à Tunis. Je vais aussi vous les montrer. C'est un projet. Nous avons fait, par exemple, un projet. Dafi, c'est un projet touristique. Et c'est. Voilà. Projet Dafi, fille Unyanga. C'est un projet. Dans le cadre du tourisme, nous avons beaucoup de touristes qui viennent de Mbaranasmaer. Touristes qui viennent donc nous avons choisi Unyanga. C'est un projet de Fogadakhal en utilisant aussi les matériaux sur place en même temps. Yani valoriser tradition en Guinée. Voilà, donc je vous invite à regarder bien la vidéo. Donc, dans montagne en Guinée, dans le nord, tout est fait à base de l'autre. Donc, voilà. Bon, ici, là, nous avons un peu utilisé Yatoura. Là, c'est un peu la paille. Là, Michel Yatoura. Michel, tente à gagner nomade, d'accord. Nous sommes inspirés beaucoup plus des tentes nomades. Nous avons utilisé aussi des matériaux locaux. En même temps, bois, algaïne, donc nous avons utilisé les bois des palmiers pour faire ce genre de. Voilà, ce type d'architecture. Là, il y a Michel Hôtel, les touristes à l'église de l'Opa. Parce que les touristes de l'Opa, quand il y a Gourou Mafi. Quand il y a Gourou Mafi, quoi. Voyez un peu. Donc, au Tchad, comme nous avons tendance à rester, Michel, toujours nous donnons nos barres minalbet et tout ça. Donc, toujours, c'est un type, Michel, c'est un type d'habitat où, Michel, on a tenu compte aussi de la tradition à Guinée, au Kébé, à Guinée, donc avec nos coutumes et traditions. Donc, c'est un système barre à Guinée, mais nous avons des bonus et tout ça. Donc, voilà. Donc, nous avons tendance à rester les soirs, voilà, à siroter, noter et autres. Donc, voilà, tout est fait, quoi. Tout est tenu en compte.
Yani toiture al-Fogda, gay représentait beaucoup plus Michel. Tant à Guinness, tant nomade à la Saganoura, Parada ma gay forma gay Michel. Yani projet al-projet gay de brique de terre ou en même temps, Hinda, da Michel, système en a double toiture, il refroidit les bacanamaya, les gamins, donc air y passe venir urbain. Voilà, c'est un peu ça. C'est inspiré de la société traditionnelle du Tchad. Voilà, c'est toujours là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est les grands baobabs. Donc, voilà, donc, toujours tenir compte de nos cultures. Voilà, c'est un espace de rassemblement que le soir, on peut rester posé. Voilà, ça c'est quelque chose, voilà, ça c'est le lac Unyanga, c'est devant le lac Unyanga, comme le lac Unyanga, il est classé patrimoine, donc on ne peut pas toucher l'eau qui est classée patrimoine là, mais nous avons juste retranscrit, fait une retranscription de ces lacs, juste là, et voilà, en entourant à travers, avec les espaces de détente, des boucarous et autres, voilà, ça, en gros, en fait. Le projet. Voilà, en quelque sorte, le projet. Mashallah, merci beaucoup, Yari. Donc, Nazda, hein? ils ont vraiment apprécié quoi, la présentation Merci. du coup. C'est de notre devoir, voilà, en tant qu'architecte, de aussi de vous montrer ce que c'est que l'architecture au Tchad. Mashallah. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc, si ici, s'il y a des questions, voilà. Ou encore des remarques à faire, donc voilà. Bon, question d'autre, là, c'est sûr que Gaïdine, on a déjà fait 46 minutes à Harlo, 47 déjà. Ce qui veut dire que quand on a au maximum pour le moment, pour 10 minutes, dedans, Inch'Allah. N'y a pas de Donc, souci. maintenant, on a une petite question, là, la une question à Nasser Gaïdine, ou la tantine conseil d'autre, ça dépend de l'identité. Bon, Anthony, question là, et quand il reste une minute d'Anthony, comme on a dit, conseil de vite fait. D'accord. Il faut que je les. Allez, il y a Perlit, je ne sais pas, tu peux parler du rôle de l'architecte avec les autres domaines de la construction pour faire comprendre aux autres qu'il est et reste le chef d'orchestre jusqu'à la fin. Hein? Tantine, j'ai l'explication les pour montrer le rôle de l'architecte avec les autres domaines de la construction, quoi. Pour faire comprendre aux autres qu'il reste le chef d'orchestre, on a jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'architecte. Bon, le rôle de l'architecte, là, ce n'est pas seulement de concevoir les projets et puis voilà, c'est bon, hein? Non. L'architecte, son rôle, c'est de concevoir les projets de A à Z. Architecte, quand on va les construire, hein? Il fait que, il chiffre, quel est le besoin des usagers. Non, ça, les gens, ils habitent dans les zones là. Quel le besoin, tu te mets à leur place. Michel, tu te mets à leur place. Voilà, Michel. Et tu vas traduire ce qu'ils disent architecturalement. Tu sais, bon, il est mis salon, il est passé vers le couloir. Ah, tout ça, c'est l'architecte qui doit vraiment penser.
Qui sait te concevoir de A à Z jusqu'à tu vas faire même projet de tisser avec les détails précis. Il y a des détails hein, dans le chemin complet, tout, tu vas les faire. Ou par la suite, quand il est architecte, quand il est ingénieur, comment il trace, il y a tout, il calcule les charges. Ou voilà, il voulait que pour toi, il faut tel mètre cube de béton. Voilà, il faut tel mètre cube de tel. Donc, voilà. Je pense que nous sommes complémentaires. Hein. Nous sommes complémentaires avec les ingénieurs. Ou Michel aurait été quoi, dans un chantier, hein, assez chantier comme je dans un chantier, là. Il y a l'architecte, il y a les ingénieurs, c'est-à-dire le bureau de contrôle est là. Donc, ils supervisent, au moins ils supervisent le chantier, là. En même temps, et l'architecte aussi doit venir en guide, bureau en guide. Chaque jour, voilà, délégué, non, ça regarde mon cabinet, il y a du chauffe-eau à chaque fois, quoi. Étape par étape, là, ils suivent, plan, là, ils suivent, jusqu'à la fin, jusqu'à la réception de l'architecte de la garine. Donc, contrairement à certains qui pensent que non, architecte, là, il dessine plan d'abord, hein, ou à Calas. Non, non, non. Parce que l'architecte a une responsabilité, oui. Mais dans le cas où tu as une responsabilité est partagée. Il y a des clauses. Il y a des clauses dans le garage, il faut qu'on arrive, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Si, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord, merci bien. Je crois que il y a une petite brise de grand arbre petit en chaleur. Ah, D'accord. pétiale. Ok. Donc, ça va l'arbre. Un arbre ici, un arbre. On va le faire pour l'arbre. Bon, Voilà. on regarde la question que la gagne chez la paravinité. Question rien que le gagne la qui nous chine dans nos. Quels sont les processus à appréhender lors de la conception d'un projet? Et quels sont les honoraires d'un architecte? Bon, architecte de moi, il faut par et tout. Ou, dans un projet, l'architecte a un pourcentage. Donc, je pense que architecte dans un projet, il a à peu près 10%. Donc, 10% du projet. Quand projet 1 milliard, comme on l'a 100 millions. Ou, en même temps, parce qu'il ne faut pas dire que non, architecte, c'est plein, ben, c'est chocolat. Non, 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 ce n'est pas ça. Il dit 100 millions, il a une responsabilité, ou il a une phrase, quoi. Quand si. Vraiment, la chose tourne mal pour une responsabilité, mais en général, de la responsabilité, que dire. Donc, c'est pourquoi il y a tout quoi. Dans un cabinet, tu es recruté, stagiaire, tu es recruté, il y a ton ticket fil local, on a ticket fil, il y a ton acte 10% de temps, on a gagné, je fais cher. Mais bon, ça, c'est la règle, en fait, c'est international. Donc, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Même fait chier, gamin, elle a acheté de mon alphabet, 10% de là. D'accord. Bon. Je défile une fois chaque question là parce qu'il y a des. Même défiler, il y en a des questions là parce qu'il y a des commentaires. Il y a Il pas de y a des souci, il y a pas de commentaires. souci. Ouais. Il y a Tom Tyler, là, votre projet de construire l'hôpital dans 10 jours. Est-ce que vous avez commencé? Bon, l'hôpital que nous avons à Yatoura, ce n'est pas en 10 jours, mais c'est plutôt en 3 semaines. Donc, 3 semaines, 2 semaines, ça fait déjà 14 jours. 14 jours plus, c'est en 21 jours. Donc, en 21 jours, là, je pense que en 21 jours, c'est possible parce que nous avons tenu compte de tout ça. Ou même pour concevoir les projets, ça nous a pris près d'un mois. Nous étions au nombre de 5 avec mes confrères architectes. Donc, voilà, nous étions 5 au un projet d'A à Z. Nous avons pensé du début jusqu'à la fin, de la phase appel jusqu'à la phase d'exécution. Donc, voilà, nous avons tenu compte. Il y a 21 jours, ce n'est pas pour gagner les projets, voilà, autre chose. C'est la réalité parce que le projet Agnala, on a 120 lits. Contrairement à Anachine de la Dolo, je ne sais pas en combien de jours, en 10 jours, ou en 500 lits. Nous que tirer prêt et tout ça. Mais nous, c'est en 21 jours et 120 lits. Donc, il y a une très grande différence. Ou en a nous c'est en connaissance de cause. Pourquoi nous avons utilisé des matériaux? Malamache, la brique de l'eau. On a utilisé briques, ou la ciment, ou la compte. Non, non, non. Nous avons utilisé c'est-à-dire des matériaux, Michel, préfabriqués, qui sont déjà sur place et autres. Conteneur, qu'est-ce que c'est? Conteneur. Tu prends un conteneur, tu vas te déposer, tu retournes au garage, la structure de la béton, la chaleur, c'est tout. À l'intérieur, tu viens, tu aménages à l'intérieur. Est-ce que c'est difficile ça? Donc, ce n'est pas vraiment difficile. Juste, il faut des raccordements. L'électricien aussi doit venir faire son boulot. Il faut aussi des ouvriers aussi qui vont venir travailler au niveau de voilà des plombiers aussi qui vont venir travailler sur les sanitaires. Et il y a aussi, il y a beaucoup des intervenants.
qui doit venir, ou en même temps on peut les recruter plus. On fait le nombre de, par exemple, de chambres fois le nombre des ouvriers pour le faire. C'est-à-dire, en 3 semaines, nous avons donné le délai maximal. Ça peut être en 2 semaines, même en 2 semaines. Et voilà, c'est chose qui a été faite. C'est vrai, nous avons fait un peu avec retard. Et même les autorités nous ont dit, donc nous avons un peu, nous sommes venus un peu en retard. Et je pense que ce genre de projet-là, c'était tout simplement pour aider le gouvernement dans la lutte contre le COVID-19. Mashallah, une proposition juste voilà, pour lutter contre le COVID-19 en tant que jeune, c'est ce que nous voulons faire. Et inshallah, on espère aussi collaborer aussi de la sorte, inshallah, pour la prochaine fois. D'accord. Question من ثلاثة لكن كلهم كان يشيلوا من خط مكان واحد بس أنا محمد مهاجر وأحمد طاير مع موسى لميلي يعني الديفرنس كان قاعد ريزومي هم كان خلبطهم كيكي مركز الديفرنس انتر الأرشيتكت انجينير وما إربانيست ده بس Bon, كيسيون هاكم urbanistes d'eau là, la différence, c'est urbanistes d'eau là, c'est eux qui tracent les villes et autres. Comment ils tracent les villes? Comment le travail en homme, ça vient avant, quand tu dois sur le plan Michel Yatrou, sur le plan, sur le respect aussi de l'ordre d'eau. Il y a Awal Kera, urbaniste de Yujo. Sans ville, est-ce que tu veux, moi, tu peux venir construire? Donc, ils doivent retracer la ville en tenant compte aussi du chemin directeur que je viens d'évoquer. Ouais. Par la suite, tout le monde m'a tracé ville, là, il y a des zones, on a un bâtiment, des zones, on a quelques, des zones, un bâtiment, des terrains vides. Okay. On a quand même dû intervenir, on a dû en deuxième lieu pour que nous puissions faire bâtiment par bâtiment. Ouais. Par la suite, si conception, les architectes vont intervenir pour voilà, qu'on puisse travailler ensemble jusqu'à la fin du projet. Donc, Michel Ké. D'accord. يعني الأول كي يبانيس يخدموا ورد اللي إذا اشتكت على فين Oui, اللي justement. إنجينير عليك إذا اشتكت ده يخدموا بريس كان باراليل كومي إذا اشتكت كومانس Voilà. إن بي تو. Voilà. D'accord. Merci, merci bien pour ces éléments. Il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas, on a dit tantôt le conseil d'ordre ou bien on a dit autant de questions, on a fait des questions, des questions, je m'excuse, je vais dire que je Non, il n'y a pas de souci. vais Alors, vous allez poser une question, vous allez dire Ok. Il, dans 3 minutes, il y a un chico à appeler là. Ok, d'accord. Projet, voilà. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé concernant le tout là. Bon, on doit choisir une question d'eau, mais moi, les questions de la plupart, j'ai répondu. Oh, si j'ai un conseil à donner beaucoup plus à nos architectes et en même temps nos ingénieurs, il y a un conflit entre ingénieurs et architectes de la Maroc pour l'instant. Actuellement, ça va suivre le chantier, ce sont mes constructions qui vont suivre Dougog. Mais toujours que l'ingénieur de la raison tu leur dis quelque chose, et puis voilà, et ils font, ils sont sur l'autre. Moi, ils suivent une chose en titre. Donc, je pense que, bon, qui fait conflit à Dada, je pense qu'on peut s'entendre vraiment, Dahi Muscula, c'est des normes autres. Mais le fait que architecte, ingénieur d'eau, il prétend de jouer le rôle d'un architecte, parce qu'on a un diaora, bien le bédaï, ingénieur, n'a jamais eu. Parce qu'on a un architecte, mais il n'a pas ingénieur, n'a jamais eu. Ingénieur, t'as la dire le bédaï, on a fait la dire, c'est plein d'avoir quelqu'un ou un team. Barenda yesh ki gula Allah ya ingenieur akida ma adil ingenieur akida Allah zabid u dama zabid u kido o normalement rama ma ndirum dro Allah da normalement kanar mja urale mi khaya binlebe do rakira gula idako architect da gait mishi da ko ise plan da genti alfa da bet ou déjà c'est l'ingénieur qui passe plus de temps fi le chantier par rapport à l'architecte. Donc ou en même temps un architecte zata ki marada souvent là, il y a des architectes aussi. Il y a beaucoup plus de ingénieur d'eau. Donc, suivi en un chantier, normalement, ça ne devrait pas être fait par l'architecte seulement.
Il faut faire appel à un ingénieur, c'est lui qui doit calculer les charges. Il voulait, ok, pour toi, il y a 4 mètres cubes en béton, au daké, il doit avoir tel adatana ciment, tel adatana trappe, et tout ça, quoi. Oui, il m'a maçon en autre, et tout ça. Donc, ce n'est pas le travail d'un architecte. C'est pourquoi, d'accord, l'architecte wedding est mêlé. Je pense que ça, tout récemment, ordre national, un ingénieur de l'eau créé, ou un ordre national, un architecte qui a gagné. Je pense que quand ça se un système, Michel, partenariat entre ingénieurs, architectes, Michel, lors d'un forum et autres, nous allons discuter et échanger. Michel, après, nous proposer en même temps des solutions. C'est OK. ça. En même temps, des solutions ou signer un partenariat pour que, d'accord, ou en même temps, mairie, comme on dit, ou en les jeunes, qu'est-ce que je leur dis? Pour vraiment changer les choses, pour que l'espace vert soit intact, en même temps, et tout là. Je pense qu'une jeune, il faut intégrer beaucoup plus mairie, arrondissement. Vraiment, il faut intégrer. Il y a tout poste en a conseiller de la Garine, et c'est par élection, puis élection législative Merci. d'Agade. Donc voilà, il faut intégrer pour vraiment apporter vos idées, des solutions aussi à proposer. Donc c'est un peu Merci. ça. Et s'il y a d'autres questions là, Merci. par message, C'est Inch'Allah. déjà, ça va, c'est terminé. Ok, merci beaucoup. Sogar, quand même, vidéo de suivre une autre contact. Donc, merci beaucoup, Varg Sogar. Merci à vous tous.